tout le monde, on se lance sur un deuxième épisode de Lastwood car on a encore beaucoup de choses à découvrir. Je vais agrandir le radeau, faire un deuxième étage, débloquer de nouvelles technologies, peut-être visiter d'autres îles. Je veux faire un peu plus de combats, donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Je vais d'ailleurs voir est-ce qu'on peut faire couler le radeau car là la flottabilité de celui-ci est un petit peu moins bonne. Là on est passé de 0.3 à 0.7 kilo, je sais pas à partir de quand commence à couler, mais je veux voir ce que ça donne. Alors, bah du coup, avant de partir d'ici, je vais déjà suivre les conseils que vous m'avez donné. Donc déjà, vous m'avez signalé que oui, les gars montent de level, et j'ai oublié de leur donner leur point de compétence. Ça m'est complètement sorti de l'esprit. Il y avait tellement de choses à vous montrer dans l'épisode précédent que je ne l'ai pas fait. Donc en gros, à chaque fois qu'ils font quelque chose dans la catégorie concernée, vous voyez, par exemple là en survie, ils gagnent un point d'XP, et une fois la barre pleine, on peut leur faire monter de level dans la compétence concernée. Donc je peux pas décider ou distribuer les points, mais je peux valider quand ils sont prêts à monter le level. Et donc là, j'ai gâché un petit peu d'XP, parce qu'une fois que la barre est pleine, vous pouvez voir qu'ils ne continuent pas d'engranger l'XP. C'est un petit peu dommage, mais bon, c'est pas une catastrophe non plus. Vous m'avez également signalé que j'ai oublié de looter le coffre là-bas. Donc on va envoyer à... Comment tu t'appelles, toi? Davison, d'accord, qui va s'en occuper. Et en attendant, ben tiens, je vais démolir la pagaie là, et je vais démolir la pagaie ici, parce que je vais agrandir ces deux endroits. Alors, Davison, non. Ça me tue vraiment qu'il n'ait pas un dé pour Davidson, hein, franchement. Alors, dedans. Ah, bah non, je n'ai rien oublié, il a bien looté ce qu'il y avait dedans, donc non, désolé les gars. Donc tu reviens, et alors merci de m'avoir signalé que la raison que le radeau ne se déplace pas, c'est pas qu'il n'y a pas de vent, c'est plutôt que l'ancre est toujours posée, elle est au fond, en fond, même si, vous voyez, l'apparence n'a pas changé. Ah, j'ai complètement oublié cela. Donc ouais, effectivement, ça peut poser problème si l'ancre est toujours posée. Bon, alors, on va agrandir un petit peu notre radeau. On va déjà le faire là, on va voir est-ce que ça va avoir un impact sur sa flottabilité. Ici, t'as toujours à me casser ça, là, pas besoin, pas besoin. Et je vais rajouter des filets de pêche, mais avant, j'aimerais voir côté nourriture ce que nous avons, parce que je crois que je n'ai pas pêché depuis quelques temps. Donc nous avons un peu de poisson, de crevettes, d'accord. Pas grand-chose en fait, hein. Pas grand-chose, il me reste quelques poissons frits. Du coup... Feu de camp, tu vas me faire, il n'y a pas de viande, rien là. Charbon, je peux rien faire en nourriture. D'accord. Est-ce que tu peux pêcher du coup? Non, elle ne peut pas pêcher, il me faut une canne à pêche. Et alors je ne sais pas, ouh, là il y a quelque chose en bas. Je ne sais pas où est passée la canne à pêche, donc on va dans... Non, c'est pas dans divers. On a des ordures. D'accord, matériaux de recherche, non, c'est pas vraiment des ordures. Hein. Dans équipement, armure, non, arme, non. Matériel. Donc je n'ai plus la canne à pêche. Elle a dû casser ou je l'ai perdue. Je sais pas. Donc on va voir ça. Au passage, oui, on en est côté recherche. Ah, je suis pas dans le même. Voilà, comme ça. Dans le, voilà. On est en train de faire de la recherche pour éclairer le radeau. Mais il me faut trouver des textes de recherche. Alors, toi, juste viens prendre ça. Et là, normalement, il ne devrait pas avoir à plonger. Il y a assez... Ah, si! D'accord. Quand il s'est collé, en général, ils n'ont pas besoin de plonger. Ils le chopent de là où ils sont. Du coup, là, on a terminé presque. Donc, je vais te mettre ici. Ils n'ont toujours pas cassé la pagaie là-bas. Ouh! Ça, je le veux. Davison va le chercher. C'est peut-être un peu loin. J'ai peur qu'il s'essouffle avant d'arriver. Non? Non. Si il coule, il faut envoyer quelqu'un le sauver. Donc, voilà. Et après, il reste KO pendant quelques temps, le temps qu'il se récupère hein, son souffle et son énergie. Et là, nous avons ramené quoi? Rien? Ils m'ont pas dit? D'accord, je n'ai rien récupéré. Alors toi, va chercher ça là-bas. D'accord, ils m'ont pas dit ce qui a été ramené, ce qui est un petit peu dommage. Ici, on est bon. J'accélère. Tu reviens. D'accord, et alors là, il va bientôt falloir sortir d'ici, je ne sais pas dans quelle direction le vent souffle, il me faut vraiment avoir la girouette, mais je n'ai toujours pas ça. Si je regarde dans la table, non pas dans la table de recherche, dans la table ici, ça serait ça? Non, navigation, non c'est pas ça. Toi je peux rien faire, atelier tisserand je peux rien faire, je peux pas faire ma canne à pêche également, ça me... On va désactiver toi. Ouais, ils me disent d'aller sur... ouais, ça attend un petit peu. Et alors, navigation, on remet une pagaie ici.
Et je sais pas pourquoi ils veulent vraiment pas démolir celle-ci. J'ai redonné l'ordre. Ah là c'est bon, d'accord, fallait redonner l'ordre, c'était marqué, mais comme à démolir, mais apparemment ils voulaient pas le faire. Alors construction, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et là, et on va mettre la pagaie, puis on va partir. Alors je veux juste voir dans quel sens va le vent. Stop, parce que là on va cogner l'île, donc faut aller vers là-bas. Donc va falloir pagayer dans l'autre sens, voilà. Et là, il faut que tu me le finisses rapidement. Ouais, on va quand même... Ouais, ça va suffire. Un gars qui pagaie va suffire. Même si on tourne un petit peu vers là, du coup, le... Vu qu'on pagaie d'un côté. Et là, on en est où? On a 0,8 kg. Est-ce qu'on commence à couler à partir de 1 kg? Je sais pas trop comment ça fonctionne, le... la flottabilité, là, dans le jeu. Peut-être qu'il y a... Ça suit une règle commune, je sais pas. Bien, alors ça, c'est fait. Maintenant, navigation. La pagaie. Et je veux... Côté nourriture, on a quoi? J'ai rien. Ah, on peut faire toi. J'ai un poisson. Je vais en faire qu'un. Il faut nourrir mes bonhommes. Et alors, je vais tout de suite... je sais plus, c'est dans quoi? C'est dans toi. On va spécialiser ici. C'est dans plante. On va spécialiser cet endroit. Ça me coûte combien, d'ailleurs, au passage? 4 de corde, bah, je vais devoir en faire un petit peu plus, il me semble. Je sais plus où sont les cordes. Ah, c'est là. Non? On va diminuer ça. J'en ai 6, ouais. Donc, on vient là. Non, c'est toi et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En avant. Donc là, on s'éloigne. Je peux peut-être commencer à aller vers le nord. Si le sens du vent n'a pas changé, bien entendu. D'accord, bah arrête de pagayer. Oula, d'accord, il y a quelque chose vers là. Bah on va se rapprocher. Alors là, il va y avoir du monde à combat, donc je vais devoir armer mes bonhommes. On va le faire un petit peu après. Là, pour le moment, je vais devoir faire des armes. Alors, toi, tu vas m'utiliser 3 de bois, 25 d'attaque. 1, 2, 3. Bah on va faire 3 et on va faire 2. Et on va remplacer certains des javelots que mes bonhommes ont. Donc maintenant que c'est fait, ouais, on va encore se rapprocher un petit peu plus. Et je veux vraiment que vous finissiez cet endroit. Et donc là, tout le monde travaille, plus qu'à attendre qu'ils finissent leur boulot. Donc là, j'ai mon premier filet de pêche. Je sais pas comment ça fonctionne. Alors, j'ai distribué les points de compétence. Vous avez peut-être vu, il y en a qui s'accumulent. Je vais pas les distribuer à chaque fois qu'il y en a un qui gagne. Parce qu'il les gagne assez vite, surtout au début. Mais ouais, je les ai distribués. Et j'ai peut-être oublié de réparer un petit peu. Donc je vais donner l'ordre parce que j'ai cogné quelques petites choses. Donc je donne l'ordre de réparer. On en est où côté outils? Ils m'ont fait... Alors, comment... Ah, toi, t'as ton marteau. Et eux, encore leur lance. Apparemment, ils préfèrent ça. Pas de problème. Je suis un petit peu inquiet côté eau, mais... Ils ont lancé un filtre à eau. J'ai déjà encore un litre d'eau là-dedans. Donc allez-y, travaillez dur. Et alors, ils les ramènent là, l'eau, et je comprends pas trop ce qu'ils en font. Est-ce que c'est pour cuire les poissons? Non, c'est même pas pour les cuire. D'accord. Et je peux pas encore... Je peux pas encore faire cuire les... comment ça s'appelle? Les fruits. Donc je sais pas trop. Côté recherche. Ah, tu es là. Table de recherche. Ah, on a un marchand. Alors, t'as peut-être quelque chose pour moi. Tu es là. On va envoyer... Bah tiens, on va envoyer Davison. Ah, oh, ça me tue ce nom. Rajouter un D. Est-ce que je peux pas le renommer? C'est dire un texte. Davison. Voilà. Voilà. Bon. Du coup, tu me proposes quoi? Divers, ordures. Il me propose des choses de recherche qui valent... alors, pourquoi tout est... Hop. Je sais pas trop quoi lui donner, donc si je veux toi... 1, 2, 3, 4, 5, on va donner... Je vais donner du citron, on va voir. C'est pas assez. Peut-être pas du sel. Ah, on obtient du sel en faisant oui, c'est vrai, ça c'est génial. Il n'y a rien que tu veux en particulier. Là-dedans, je n'ai rien en grand nombre. Matériel. On peut mettre des feuilles peut-être un petit peu. Ils me disent pas combien il faut, donc moi j'ai aucune idée. Tu vaux combien? Ça vaudrait 100.
Toi, tu vaux 5, ça fait 50, 75 et des poussières. Ah d'accord, donc un peu plus de feuilles, on devrait atteindre. On va voir. Non, là, on est largement au-dessus. C'est pas assez. Pas de papier, du coton. La graisse. Qu'est-ce que je peux leur donner que j'ai en grand nombre et qui ne me sert pas? Le marteau de guerre? Ouais, là, c'est assez, mais bon. Du coup, je vais reprendre mes... C'est très généreux de ta part, bah ouais. C'est une offre alléchante. Est-ce qu'il peut me donner, bah du coup, plus de notes de recherche? Ah, c'est ok, d'accord. Est-ce que je peux en mettre une comme ça? Je suis ok. Non, ce n'est pas assez. D'accord, on va la retirer. Voilà, et on fait le deal. Ouf, voilà, bon. Bon négociateur, mon petit bonhomme. Hein. Et là, je vois que je peux récolter. Par contre, je peux pas... Ah, si, je peux récolter sur les trois. Donc je donne l'ordre et on va voir ce qui va se passer. Combien de poissons j'en ai... Ah, un poisson. D'accord. Et j'ai obtenu un papier de recherche. Parfait. Donc avec ça, on a normalement de quoi reprendre notre production habituelle de poissons. Ouais, vas-y. Tu... Voilà. Donc là, j'ai plus de poissons. Peut-être non. Celui-là devrait mieux les nourrir, donc on va le faire en chaîne. Est-ce qu'il y a quelque chose à ramasser? Non. Je pense qu'il va être temps d'attaquer. Alors, je ralentis un petit peu et je regarde où sont les stats. Les stats de méga sont au bon level. Alors, pose ce que tu as en main et on y va. C'est bon. Donc tu vas là-bas. Toi, tu n'as rien en main. Tu vas là-bas. Et elle... je crois qu'elle n'a rien en... Ouh, elle a un petit peu faim. Et elle a soif, donc elle, on va pas l'envoyer, on va la laisser là. Tu vas faire au mieux. Ah, je veux... Je vais regarder ce qu'il y a dedans. Ça y est. Elle a mangé. Elle va avoir soif, donc je vais la laisser boire. Ou lui, il va avoir soif bientôt. Donc venez. Ah. Viens là-dedans. Déplacer, ou avancer plutôt. Voilà. Et là, on est 2 contre 2. Et la question, c'est est-ce qu'on fait plus de dégâts qu'eux? On attaque lequel? On attaque toi? Ouh, il fait pas de dégâts, lui. J'ai du mal à voir. Oula. C'est lequel, le mien? Davidson, t'as perdu un peu de points de vie. Denis, ça va? Ça va être un combat long, ça. On fait pas beaucoup. Or, comparé à quand j'avais mon épée de fer, là, je. Ouais, on va avoir du mal à les éliminer, donc je sais pas. Et Davidson commence à avoir soif. Est-ce que tu as bu? Non, tu as toujours pas bu. Alors, j'aimerais que tu t'occupes du filtre à eau. On a besoin de plus d'eau. On a éliminé un. Oh, on en a éliminé un. Parfait. Occupe-toi de ça. Oula, Davidson a perdu des points de vie. Bah tiens, tu rentres. Tu vas te soigner. Hop. Oh là là, comment je l'ai défoncé avec mon épée de fer. Et là, comment j'ai du mal. Bon. Il a pu boire et il y a de l'eau dedans, parfait. Du coup, moi, je vais te laisser récupérer tes points de vie. Denis. Toujours en plein combat. J'ai l'impression qu'on n'arrive pas à le tuer. Ah, ça y est. Ça y est. Fallait le repousser. Oh là là. D'accord. Alors maintenant, tu vas ramasser ce qu'il y a sur leur cadavre. Des os viandes bizarres. D'accord. Ah, et la recherche est terminée. Génial, génial. Alors, je vais pas regarder ce qu'il y a à l'intérieur parce qu'on va se faire défoncer. Donc, on va sortir. On ramasse le lin. On ramasse le cuivre. Et je vais le faire rentrer parce que, voilà. Hein, il va bientôt avoir très soif. Ah, heureusement qu'il pleut, là. Il me faut plus de récolteurs parce que... alors, quand même ramasser le cuivre, là, je te fais rentrer. Là-bas, il y a de la boue, ce qui serait pas mal également. Alors, du coup, si je veux éclairer, ce serait peut-être dans mobilier, non? Décoration? Ouais, lampe torche. Comment je te pose? Ouh, okay.
ici. J'ai pas de d'autres. Ouais. Là. Ça utilise quoi? Ah, ça, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc c'est parfait, toi. Plante verte. Non, non, non. Reviens à la maison parce que sinon tu vas mourir de soif. Elle. Elle est ok, mais pas assez. Toi. Davidson. Davidson, tu peux y aller. Vas-y. Vas-y, Davidson. On a des choses à récupérer. Alors viens boire, toi. Donc je veux le métal, hein, parce que le métal est vraiment ce qui est le plus dur à trouver. Côté poisson. On a encore rien. On va partir d'ici, hein. C'est pas grave si je ne peux pas. Ah, un marchand veut faire du commerce avec nous. D'accord. Il attend pour l'échange. Est-ce que c'est le caillou qui est tombé? Je vais voir ce qu'il y a les sacs pleins. Oui, ramasse. Ok. Alors, le marchand est ici. On va commercer. Tu me pètes l'arbre, je veux quelques pommes. Ah, alors le deal, tu me proposes des armes. Ouh, tu me proposes des choses. Alors je veux toi. Peut-être un bouclier. Et ça, ça va me coûter super cher. Ah, je vais donner des choses qui ont peut-être une bonne valeur. Ouh, ça va être chaud. Ça va être très chaud. Alors, j'ai dû fabriquer une arme pour vous proposer des choses qui ont un peu plus... Enfin, pour que j'ai quelque chose qui a plus de valeur. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir acheter le bouclier parce que vous voyez, c'est richesse 250 et là je suis à richesse 300 pour la clé mort, donc ça veut dire qu'il faudrait que je double pratiquement ce que j'ai mis là. J'ai testé de prendre l'épée steampunk, mais elle vaut 1500, donc c'est juste pas la peine. Donc on fait le deal et normalement j'ai maintenant une meilleure arme, ce qui est pas mal. Ouh, là ils essaient de venir me voler mes citrons. Est-ce que tu peux l'attaquer? Abattre, vas-y. Oula, il y a une attaque. Ouh, il y a une attaque là. Alors, c'est parfait. Par contre, ça va me faire de la nourriture. Alors, toi, tu vas devoir te lever. Vas-y. Tu l'as pas tué? Vas-y. Il fait sa crotte au lieu de l'attaquer. D'accord, pourquoi pas. Il me faut vraiment un arc, peut-être, pour les avoir loin. Et du coup, est-ce que... Non, il n'y en a aucun qui est mort. D'accord, bon, est-ce que quelqu'un a équipé l'épée? Faudrait une canne à pêche également, si possible. Ah, on en est où côté nourriture? On en a plus de cuit. Donc toi, les dégâts qui ont monté le level. Ah, toi, il manque des poissons encore, donc on les mange aussi vite qu'ils arrivent. Ah, bah, au moins ils sont marqués, les mouettes là. Et alors, Davidson. Les attaques. Toi. Boum. En combat. Et Megan ne mange plus les citrons, j'ai l'impression. Ah, regardez, elle a l'épée. Oh, bah, c'est génial ça. Ça, c'est génial. Donc, peut-être qu'on peut y aller. Ah, je vais regarder. Tu en es où côté? Ouais, c'est bon, on peut y aller. Ah, vas-y. Et tu vas être accompagné par. Denis, qui a un petit peu soif, mais c'est pas grave, on va faire avec. On va essayer de finir ce petit donjon. Alors, tu rentres, avancez, et avancez. Voilà. Et là on fait du dégât. Là, on va les éliminer. Oh, ça, c'est beau. Là, c'est beaucoup mieux. Parfait. Alors, hop. Et toi, tu vas ramasser la viande bizarre. Tu ramasses tout. Toi, tu t'occupes de ça. Voilà, maintenant on continue notre chemin.
Moi, je suis désolé, Singer, mais tu vas y passer. Voilà. Et de... Ah, il y a un étage. Donc, les angles de vue sont pas terribles. Mais là, ils comprennent que dalle. Fouiller le cadavre. Continue. Ah. Côté point de vie, on est bon. J'ai pas de bouclier, mais... Oh, regardez les points de vie, comment ils tombent. Parfait. Alors, fouiller le cadavre. Fouiller le cadavre. Coffre. On prend tout. Et maintenant, on revient à la maison, parce que voilà. Peut-être quelque chose d'autre, mais c'est pas trop important. Je veux que vous reveniez pour manger, pour boire, et tout, maintenant qu'on a ce qu'il nous faut. Ah, c'est génial! Allez, je suis vraiment content. Bon, alors, je vais peut-être commencer à songer à construire en hauteur. Donc, ah, on a des... Ah, du coup, Davidson, tu viens t'occuper des carcasses de mouettes, et j'aimerais, dans la table du feu de camp, regardez, on n'a pas de viande, on n'avait pas d'avion de bizarre. Ouh, il y a quelqu'un qui se ramène, c'est un survivant, j'espère? Ou c'est un marchand? Oh, c'est un ennemi! D'accord. Bon, bah, tu vas nous donner de la viande, hein. D'accord. Fouiller. Davidson. Ouais, alors, côté nourriture, là, du coup. Ah, on a de la viande, maintenant. Ah, viande d'oiseau grillé. Bouillon, peut-être le bouillon avant ça. Diminue la faim de sang. Poisson. Diminue-toi. Purée, voilà. Ouh. Alors, j'ai dit que je voulais construire et monter à l'étage supérieur. Alors, mon problème, qu'est-ce qui bloque là? Je viens t'occuper de la carcasse, c'est peut-être la carcasse qui me bloque. Là. Ouais, je peux te mettre là, je peux te mettre ici. On va construire vers là et je vais devoir démonter les citronniers parce qu'ils vont me bloquer, je vais les mettre à l'étage. Et on va partir de là, c'est quoi qu'il y a là? Un paquet de ressources là. Est-ce qu'il y a de la place dans les coffres? Presque plein. Et on a un autre qui est là-bas, qui lui a beaucoup de place, d'accord. Donc faut juste les laisser un petit peu bosser et vider tout ça. Alors par contre, côté recherche, table de recherche, on peut... Des chiottes, ouais, ça peut être pas mal, les 400 points par contre. Hein. Structure en métal, lit, un bon lit. Ouais, j'ai pas de plumes par contre, même si j'ai tué... des mouettes. J'ai rien de plus pour l'eau parce que là je... Ah, ici c'est là. Non. D'accord. Ah, un marchand. Alors on ralentit mes pauses le temps que je regarde tout ça. Table de préparation. Bah, tiens, on va faire ça. Peut-être plus d'options pour la cuisine. Et le marchand est ici. Donc tiens, toi, tu y vas. Avec ton épée pour que tu puisses mieux négocier, on va dire. Alors. Ouh, ok. Ça, c'est pour la recherche. Boîte de conserve. Je sais pas si je veux vraiment... J'ai des boîtes de conserve. Peut-être recyclé. Richesse 5. Et 25. J'ai une sarbacane, maintenant. J'ai des balles en feu. Habit de pirate. Oh. S'il les porte pas, c'est que c'est pas mieux que ce que l'on a, je crois. Ou quand même, peut-être, peut-être, on va voir. Je sais pas trop quoi te donner, mon vieux, hein, pour... Non, on va dire non, on va dire va-t'en, on veut pas de toi. Donc maintenant... Ouais, d'ailleurs, on a encore, on en a en rab. Parfait, donc là, je les laisse un petit peu travailler et on va faire l'étage. Hein. Alors, un requin commence à me taquiner, là. On va essayer de le tuer, mais il tourne autour, en fait, vous voyez, depuis tout à l'heure. Et par contre, si je le tue, je devrais avoir pas mal de...
pas mal de bonnes choses. Là, j'ai du bouillon. Côté nourriture. C'est vrai que j'ai une nouvelle table pour la cuisine. Maintenant, elle est prête. Ça, on va te fabriquer. On va faire la recherche. Là, ils sont en train de me faire d'autres filets. Vous pouvez voir qu'il y a des choses... Ouh ! Alors, tout le monde. Non, non. Attaquez-le. Non, non, pas changer l'encre. Attaquez-lui. Je dois les faire un à un. D'accord. Ah, on l'a eu, enfin. Ah, c'est parfait. Du coup, on va avoir de la viande de requin. C'est génial. Ah, c'est parfait. On va pouvoir cuisiner tout ça. Ah, feu de camp. On a du bouillon qui en attente, mais on a plus de... Ah, on a plus de sel, zut. Donc, du coup, on va faire, toi. Et on le fait à l'infini. Vu que j'ai beaucoup de citron. Et alors, oui. Oula. Ah oui, j'ai demandé de détruire. Oui, c'est vrai. J'ai demandé de détruire. Du coup, on va reconstruire toi. Oh, j'ai eu peur là d'un coup. Et on va faire l'étage. Par contre, on est à 0.9. Je me dis peut-être en recherche, il va être temps de... Oh, non, pas toi. Peut-être temps de trouver des choses qui nous permettent de flotter. Faire fondre les habits. Faire des meilleures fermes. Attaque à distance. Ah, voilà, le contrôle de la flottabilité. Ouais, ça, on va en avoir besoin, donc allez-y. Et une fois ça fait, je vais maintenant... Alors, on va monter d'un level. Boum. Et on vient vers là. Ah, comme ça, hop. Alors, je ne peux pas aller jusque-là, je vais devoir mettre un support au milieu. On va devoir péter. On va devoir péter, toi. On va le démonter. Et on va le mettre ailleurs. Parce que là, je veux mettre un support... pour faire la plateforme en haut. Et je vais peut-être fermer cet endroit avec les livres à déplacer le réservoir d'eau du coup. Oh là là. Ouais, j'ai mis le réservoir d'eau à côté des glous, donc je peux pas fermer, vous voyez, pour qu'ils aient un abri. Là, on est à l'étage, parfait. Alors du coup, je vais mettre cuisiner. On va mettre un porte-viande. Transforme la viande en viande séchée. Ah, ça va être pas mal ça. Il faut le mettre en bas pour le moment. On a plus de place. On va te mettre... On va te mettre là. Et table de préparation. Et le feu de camp. Voilà. Comme ça. Et donc, du coup, construction, on met ici le poteau. Et il n'y a plus qu'à les laisser terminer. Il le construit déjà, le poteau ? Ah, il le construit déjà. Donc, on va à l'étage. Et je vais mettre les arbres en haut. Donc je vais devoir démonter. Je crois qu'ils ont coupé ça, je vais retirer. Est-ce que je peux par contre replanter? Est-ce que j'ai récupéré? J'ai récupéré la terre, parfait. On va te mettre là-bas. Pour le suivant. Et les choses progressent. Hein. Alors j'ai plutôt décidé de faire ma chambre en haut. On va laisser chez les collecteurs d'eau en bas, ça va être plus simple. Du coup je vais retirer un lit. On va en retirer deux. Et on va les reconstruire en haut. Il va falloir bouger ce qu'il y a en dessous. Et parce que là j'ai du mal à cliquer dessus, hein, vous voyez. Ouais, donc il va falloir bouger tout ce qu'il y a. Donc la table de recherche, les ateliers, les mettre ailleurs et laisser les choses automatiques en bas. Genre, tiens, les collecteurs d'eau, là, il va falloir les bouger. Du coup. Tac, tac. Et je vais mettre en haut un autre collecteur d'eau que l'on va poser ici. Voilà, et là je sais pas trop ce que je vais mettre en haut, donc on va peut-être mettre un autre stockage. À construire mur, une porte. On va à l'étage du dessus. Tac, tac, pour le moment. Ouais, on va même faire comme ça. Voilà, ensuite mur. Voilà, et il me faudrait un toit. Est-ce que je peux... Qu'est-ce que j'ai fait là?
Ah. Ah oui, d'accord, ça va faire descendre à l'étage inférieur. Il nous faudrait mettre un escalier. On va te mettre là. Et donc maintenant, je devrais pouvoir monter à l'étage 2. On va voir, on va attendre qu'il soit construit. Ah là là, ce truc. Bon. Alors là, du coup, j'ai réussi à faire l'étage. Alors j'ai eu une petite peur. Un de mes gars était coincé dans le mur. J'ai dû faire cette petite plateforme que vous voyez là pour le faire sortir. J'ai eu peur qu'il meure de faim ou autre. Je pouvais pas péter le mur tant qu'il était... je pouvais pas péter le mur tout simplement. Voilà, tant qu'il était coincé dedans. Donc j'ai eu une petite frayeur, mais c'est réglé. Et alors là, du coup, on va s'éloigner un petit peu de l'île. Je veux pas retourner dedans. Alors je veux aller vers là-bas parce que oui, le vent souffle vers la gauche. Et on va faire la même chose là-bas. Et alors je suis un petit peu embêté là parce que je n'ai pas assez de gens pour tous les jobs là. Vous voyez, il y a tellement de poissons à ramasser là, il y a des choses à faire sécher, des trucs à fabriquer, que mes gars ont un petit peu du mal à se rattraper. Et j'aimerais vraiment trouver quelqu'un d'autre. C'est dommage qu'ils n'ont pas fait de bébé. Est-ce que ça a été retiré de cette version là? C'était présent hein, dans la bêta, non, dans la démo, on pouvait faire un bébé, mais le jeu s'arrêtait pile à la naissance du bébé. Là, on n'a pas pu en faire, donc en tout cas pour le moment, je pense que si je pouvais, ça aurait déjà été... ouais, voilà, hein. Mais bon, alors, est-ce que maintenant je peux monter vers là-bas? Parce que bon, je suis entouré de deux îles, hein, on va pas faire donjon, c'est pas grave, je veux juste partir d'ici. Alors, bah tiens, toi tu vas lâcher la pagaie. Pour le moment. Et pareil là. Et donc là, vous voyez, j'ai fait un autre escalier. Pour pouvoir faire le plafond, en fait faire l'escalier débloque l'étage supérieur, ce qui me permet de mettre le toit. Le problème c'est qu'après je vois plus ce qu'il y a à l'intérieur. Je sais, j'ai encore de la place dedans, donc avant de faire ça je vais peut-être mettre une torche murale. Est-ce que je peux la poser? Pour la poser, d'accord, on peut pas, donc on va mettre une torche au centre. Non, même pas. Ah oui, je suis à l'étage au-dessus. Oui, bah oui, forcément il faut être à l'étage 1. Donc on retente, torche murale, bah, on peut la poser là. On a fini la recherche pour améliorer le farm de marin. Ou alors attention, stop. Tu vas pas dans le bon sens. Donc, on arrête tout de suite. Je veux pas me... Oh là là, je vais devoir leur dire de pagayer. Ouais, vers là-bas. Et vers là-bas. On va faire au mieux, hein. On va faire au mieux. Et donc je vais mettre un autre lit avant de fermer. Donc mobilier, comme ça si on trouve quelqu'un d'autre qui a son lit, j'ai pas besoin de péter le toit pour l'installer, ce genre de choses. On va te mettre comme... Oups là, non, non, non. Voilà. Ils ont toujours pas fini la porte. Là, il te manque quoi? Porte. Il te manque... Ah, des planches. Du coup, les planches, c'est sur quel atelier? Oula, à force. On devrait passer. Je commence à me perdre un peu. Petit peu établi. Ah, c'est toi qui me fais des planches, donc tu vas m'en faire. Allez, tu vas me faire ça. On va leur demander également de faire de toi, un petit peu de toi, un petit peu de toi en avant. Et toi, tu vas arrêter de paquer un tout petit peu. Comme ça, on va. Ah non, c'est l'inverse. Non, c'est bon, c'est bon. Ouais, ça va me faire tourner vers là-bas. Donc maintenant, ils dorment en haut. Et vous avez des points de compétence. Toi, tu as gagné en nautique. Toi, en nautique, en soutien. Je sais pas ce que tu as fait en soutien. Et en artisanat. Et en survie, tu as 55 sur 55, mais je peux pas monter de level. Donc, c'est tu fais un autre point ou tu es au max pour toi? Ah, il y a une autre île ici, c'est pas possible. Bon, alors, et toi, alors, naviguer. On va voir vers où le vent va souffler. Vers ici, hein. Ouais, c'est peut-être jouable si toi également tu pagayes pour aller vers le haut. Comme ça, on va essayer d'aller. Ouais, on va aller vers là. Oh là là. Puis après, il faudra annuler ça. On a un tonneau flottant. Tu vas lâcher la voile. Et tu vas aller nous chercher le tonneau.
est une ramen. Et donc je pense qu'on va s'arrêter là pour l'épisode. J'ai pas encore décidé si je vais en faire un autre. Là je suis un petit peu coincé. C'est pas grave, hein, dans entre les îles. Je sais pas comment je suis arrivé par en bas. Je sais pas comment je suis arrivé dans cet endroit. Il va falloir faire pas mal de choses. Puis après on va pagayer. Ouais, bah tiens, on va lâcher maintenant les pagayes là. Et tu vas sortir celle-ci. Et on va aller pagayer ici. Et tu vas lâcher celle-ci. Heureusement que j'en ai mis des quatre côtés parce que. Et donc maintenant on va aller vers la droite et on va pouvoir se barrer de cet endroit maudit. Mais bon, on est à la fin de cet épisode. Je sais pas si je continue comme je vous l'ai dit. On a vu la majorité des éléments de gameplay, les combats, les donjons, la construction à l'étage. Si vous êtes vraiment intéressé, je peux faire un dernier épisode. Mais j'ai pas décidé sur le moment. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé. Pensez au petit pouce bleu. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.